Et bonjour tout le monde, c'est RX Project et on se retrouve pour la suite de l'aventure avec Jenna Mond sur The Fabulous Fear Machine. Bon, on est à la troisième mission sur 4, Italie. Donc on va devoir développer le virus le plus terrifiant et son vaccin miraculeux. Donc un nouveau SHV1. Ok, donc on va devoir faire ça. Un support pour les petits animaux. On va choisir René en premier agent parce que ça a vu. Badass. Vous venez juste Jen, vous venez juste d'amener votre équipe de recherche en Italie. Qui rencontre une épidémie sanglante avec les fermes de cochons. Rixus pourrait être ici et d'aider à éradiquer la maladie, mais en vérité, votre plan secret est bien moins altruiste. Votre intention est de développer secrètement une mutation du virus qui peut infecter les humains. N'est-ce pas, monsieur Hammond? Enfin, docteur Hammond? Oui, et vous oubliez le plus important. Aussi développer et rendre efficace son... Donc, c'est le vaccin correspondant. Mais pour faire ça, vous devez d'abord changer les lois du pays contre l'expérimentation sur les animaux. Si on n'approuve pas votre hobby d'enfance... De mutiler les créatures vivantes, Jen. Mutiler? Jamais. Je n'ai jamais... Ah, continuons. Je vais pas perdre plus d'énergie à discuter du sujet avec une poupée. Merveilleux, Jen, parce que maintenant, vous allez avoir besoin de toute l'audace et de la tête froide. Vous pouvez garder sans froid. Cette mission est différente. Pensez à chaque étape et prenez avantage de chaque opportunité. Les événements régionaux peuvent être des outils essentiels, la machine est... Ok. Ah, j'ai pas grand chose en l'air, non. Ah, d'accord. J'en ai que 3. Ok. J'en ai que 3. L'intérieur de la décrépitude. Alors, déjà celui-ci. Voilà. Ouais, tout au milieu. Découverte de Rome. Oh, ancienne et éternelle Rome. Guerre, conquête, sang et peur. Pensez que votre machine existait déjà à cette époque, maîtresse? Ok, parfait. Augmente la vitesse d'évolution des légendes occultes. D'accord, on est terreur de l'irrationnel, poltergeist. Ligue de Saint-Pierre. Saint-Peter-Saint-Pierre. Donc le corps est dérangeant même pour essayer de faire peur à l'enfant. Si tu le fixes pour un moment, le corps va ouvrir ses yeux. Et il murmure ton nom. Rien, cool! Il a pris... Je ne comprends pas vraiment la nouvelle génération, maîtresse. Putain. Ah, oh, le troll. Poltergeist. Et on va implanter du pétrole parce qu'on en a besoin. Alors ça c'est quoi? Ok, peste porcine. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Y'a rien. Donc là il me faut des yeux. Ok. On va y aller mollo pour démarrer. Invisible.
Les objets viennent à vie et les... etc. J'ai pris une photo d'une preuve. Je vous jure que le verre est tombé par lui-même. Alors quoi, avec ça, arrête... arrête de taper, de tirer sur ma jambe ou je te colle maintenant, enfin je te bloque. Ok. Explorer la ville. En plus je peux l'aller. Artiste du moment. Artiste bohémienne, l'envie, le poison, succès et réussite. J'ai eu droit à mon deuxième agent. Florence. Le Piazzale Michelangelo. Place Michel-Ange. Magnifique, bah si tu le dis, mais... ah, quoi. Tu vas aller fouiller et voir qui c'est là. Qui vient me foutre la merde. Naples. Plage Gaiola. Je peux rien implanter dans le coin. Ah, les ruines de Pompéi. Stefano Briosca, millionnaire, chômage, 65 ans. Ok. On va commencer à fouiller un petit peu. Bienvenue, très cher. Vous arrivez ici au moment parfait. Qu'est-ce qu'il y a avec cette fièvre là? C'est-à-dire avec Swine Fever. Swine, je vois pas trop ce que c'est, mais les élections générales qui pointent le bout de leur nez. L'Italie est une bombe à retardement, un ennemi commun et tout ce dont mon nouveau parti a besoin. Vous, ces rumeurs à propos de vos expériences, vous serez la viande crue qui va m'aider à atteindre le sommet. Souriez. Je vais faire de vous la reine de mon show télévisé. Et peut-être même vous mettre dans mon film. Qu'est-ce que vous voulez dire par l'Italie est une bombe à retardement? Mon père était habitué à dire « Tu veux rester informé? Tu n'as pas besoin d'un journal. Regarde juste par la fenêtre. Regardez dehors, ma chère. L'anxiété palpable dans les... Sachant que ces eaux sont une aubaine pour... Donc ces eaux dangereuses sont une aubaine pour les... Alors, anglers, les anglerfish, c'est baudrois, ce genre de truc. Comme vous et moi. Voici un petit indice d'un homme galant et chevaleresque. D'un adversaire galant et chevaleresque. Très cher. Si vous comptez en avoir après moi, gardez vos yeux bien ouverts et ne perdez pas du mètre de ce qui se passe sur la rue. Ok. Ok, le mec il va être dangereux. Les ruines de Pompéi. Souvenir. La statue du couple. Les trucs chimiques, parfait. Je vais implanter quoi? Alors je vais mettre une peur ici, la peur de la décrépitude. Je suis plus qu'à 200, faut que je fasse attention. Stéphane, on va explorer le sous-sol. Et en télévision qui ont du porno avec le son coupé. 4 matelas, des tas de tissus usés sur le sol. Ça aurait la Luna.
intéressant. Très intéressant. Ok, là j'ai pas assez Dieu. Si ce n'est pour pleurer. Ma chère Jane, j'ai entendu des rumeurs à propos de ce que vous faisiez à ces pauvres cochons dans votre laboratoire. Est-ce que ça va générer beaucoup de mauvaise volonté envers vous? L'écologie est à la mode. Et vous allez me donner des milliers de votes aux élections. C'est une honte que nous devions être ennemis. Avec là, je pourrais être votre papy adoré, vous ne pensez pas? Pervers. Je vous remercie, monsieur Briska, pour le compliment. Je vais devoir décliner votre offre. Attendez, vous n'avez pas dit clairement le mot non dans votre réponse négative. Qu'est-ce que ça signifie? Oh, ma chère Jane, cette ambivalence me rend dingue. Ok, le mec c'est un pervers de première. Berlusconi. Mais vous faites passer les Italiens pour des pervers de première, les gars. Des obsédés, c'est honteux. Ok, il joue beaucoup avec les mains, mais comme... Prêt. Berlusconi sort de ce corps. On va essayer, continuons à faire plus ample connaissance. Je confesse que vous avez rajeuni et réénergisé ce vieux cœur, ma chère fille, ma petite fille. Vous avez excité ce... Quoi ? À ne pas sortir du contexte. Ça sont terminés. Bon, il va falloir que... ça avance parce que là je suis en train de stagner. Et le mec il est en train d'aller très vite. Ok, bordel et luxueux, escorte. Free market commerce, ok. Ah l'enfoiré. Toi mon vieux, je vais te le mettre. Antibiotiques pour traiter les. C'était donc je suppose que. Oui. Sexually transmitted disease. Donc maladie sexuellement transmissible. Ok. Puis le lendemain, anti-hémorragie. Pourquoi de l'anti-hémorragie par contre? Ça, je me pose vraiment la question. Pourquoi de l'anti-hémorragie? Enfin. J'ai pas envie de connaître la réponse au final. Je crois que ça vaut mieux de pas savoir. Alors, c'est une powder. Énergie. Yes! Une énergie surnaturelle, hein. Tout le monde a la famille un peu. Hein. Mon oncle a parlé avec des scientifiques et des médiums, même des exorcistes. Ces choses continuent d'arriver à la maison. Il est désespéré. Candidat caméléon. Allez, hop. Qu'est-ce qu'on trouve dans la cuisine? Ah, quelque chose de bizarre entre mes pieds. Pidget Fang, down the hall. Quoi? On dirait qu'il y a eu un massacre de cochons. Avec des... Oh, c'est horrible. Bon. Je vais rendre mon... Ah mais attends, il faut extraire. Certains mouvements ont des effets spéciaux après leur... après le warning time expire, ils commencent à... se déplacer tout autour de la map. Il faut aussi appliquer leurs effets. Essayez de les neutraliser avant qu'ils ne soient activés pour... pour éviter. Ok, mais il me faut 3.
clé. Lui, on va le level up. Ma langue est la flamme. Je dois quitter mon village. Hérésie. Ok, les mecs. C'est assez chelou. Bon. J'extraire ça. Ah, Jen, vilaine fille. Qu'est-ce que je vais faire avec vous? Ce documentaire est ma clé pour gagner les Oscars. Ou même le prix Nobel. Vous avez déjà entendu parler de mon adoré Al Gore? Vos interférences donc nous obligent à revoir nos plans. Les producteurs deviennent nerveux, et moi aussi. Deviennent nerveux, pardon. Mais je finirai ce film. Oscar, Nobel, vous serez plus prudent avec les rayons UV, monsieur Briosca. Ils sont comme en train de guérir vos neurones. Sister Moon, on va essayer, hein. Mais t'es sérieux? Bon. On va infiltrer là. On prend ça, on va augmenter ça. Au risque de servir contamination, ça va être virus. Pas de bonus, ça, je me suis foiré. C'est vrai, fertilisant, virus, ça rien. Empoisonnement de masse. Les maîtres rurales. Les producteurs agricoles de grande taille se défendent. Non, cherchez pas, les gars. Et là, il faut que je commence à. Planter du pétrole. Donc il me reste quoi de disponible? Chauffeur et toaster. C'est une devise des insectes, genre ça du pétrole, parfait. Alors. Si je vais là, j'ai 88% de chance de réussite. Extraire ça. On va retenter. Je pense qu'on va quand même mettre un truc, on va mettre... je suis à 38%, c'est trop peu. Kamikaze Driver, on va le mettre. Et lui, il faudra quoi? Du sang. Je peux augmenter ça. Rural. Produit 100% safe non plus. Ils disent que c'est le progrès, mais ces salopards dans les industries chimiques pensent seulement au profit. Ils sont prêts à nous empoisonner. Ok, il va falloir infiltrer là. Merci. Il y avait une jeune femme près qui disait dans le lit. Ouais, je le connais. Il aime bien qu'on l'appelle papy. Deux ou trois d'entre nous vont à ses fêtes à sa maison. Bon, il fait des soirées bunga bunga quoi. Alors, c'était qu'est-ce qu'il me fallait pour le contrer ce petit connard? Seeker, Blood. Blood and Honey.
chercher dans le cabinet sans se faire... Ouf, tout juste, sans se faire gauler. Au cas du diable, je reçois ça. Alors, tu vas aller là. Et ça, on va le counter. Et le prochain va être là. Là, je peux le level up. Parfait. Cosmic. Pas de bonus, quoi. Tes maisons ne peuvent juste pas être habitées. Quel motif? Il y a des forces obscures dont nous ne connaissons rien. Du grand au-delà, ou du grand ici et maintenant. Mais le mien est le seul lieu et le mien. Ok. C'est particulier hein, quand même comme, comme jeu à certains niveaux. Ok. Je suis toujours pas assez haut, j'ai 49 sur 80, c'est trop peu. Oh ma chère Jen. La pestilente et cruelle reine des cochons. Vous avez franchi la ligne et je jure que c'est... Que vous avez roulé dans la boue avec ces animaux que... sur lesquels vous vous expérimentez. Quelle honte. Je peux penser à tellement de choses intéressantes à faire avec vous à la place de mettre votre nom dans la boue. Il a l'air très nerveux, monsieur Briosca. Problème avec les popularités, la popularité? J'ai peur que votre pays ne commence à vous détester. Papy. C'est vraiment un enfoiré, le mec. C'est incroyable. J'ai plus l'œuf? Pas encore. Il me reste quoi, du coup? Il me reste... le toaster. Où est-ce qu'on va le mettre, le toaster? C'est quoi, je vais le mettre là? Alors. On va tenter de réveiller le lawyer. Yes, merci. Pas le knock-up, le knock-up. L'investissement, qu'est-ce qu'il y a? Ok. Et là, c'est quoi? Le 13e événement. Ok, il faut une télé. Est-ce que j'ai un truc de télé quelque part? Non, alors on va le mettre là. On va extraire maintenant comme ça. Explorer le building. Allez, ne fais pas gauler. Merci. Donc il a suivi son instinct, il a trouvé des trucs intéressants. Ok. Masculinité toxique, etc. Le mec, c'est... Oh, mais c'est un brave petit, le gars, hein. J'ai jamais vu une ordure pareille. C'est incroyable. Alors, il me faut ça. Bien. Ok, il est en train de réfléchir. Okay, ça. Et ça, il me faut 4. Il me faut des. Il me faut ça. On va écrire ça. En vitesse. Port de nappe. Hein. Vite, parce qu'en fait j'ai un temps limite là et il faut que je le brise. Et je l'ai vaincu. Maintenant j'ai un boulevard. Santé. De protestataire, de contestataire,
Ok. Helldiver. Enfin, le kamikaze driver. Incident. Ah non. Les passages béton se sont éteints en chasse. Alors, le conducteur qui a provoqué l'accident. Ben, s'est enfui. Je dois admettre, sale garce, enfin vilaine petite fille, la reine des cochons m'a vaincu. Je ne connais pas les raisons de votre intérêt pour ces animaux ou pourquoi vous travaillez dans mon pays en ce moment même. Mais je sais que ce n'est pas bon. N'essayez pas de me prendre pour un idiot, je reconnais un... Je reconnais un salopard quand j'en vois un, grosso modo. Vous savez comment c'est? Un chien peut sentir un autre chien à des kilomètres. Mais pour vous montrer, vous prouver que je ne suis pas du genre à garder rancœur, un jour je vous inviterai à ma maison. J'ai un sous-sol incroyable, très évocatif et stylisé, vous verrez. Bye bye, ma cruelle, dangereuse et adorable jeune. Mais quel vieux pervers! Donc René, en fait, c'était une artiste maudite, en quelque sorte. Une artiste maudite. On a le prédicateur, peut-être, de l'autre côté. Ah. Voilà, infiltrer ça. Je suis au plus haut niveau. Ceci. The Toaster Listening. Confidentiel? Jackpot. Ah, d'accord. Je suis seul et c'est une ligne sécurisée. On parlait au sujet du shopping, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de téléphone cellulaire à proximité, et pourtant... commencez à recevoir des ads... Donc... Ok, donc en gros là, je crois que c'est un peu le même principe que pour les cookies sur internet, enfin... Oui, vous allez sur certains sites, puis vous allez recevoir des pubs qui sont en lien avec ce que vous avez regardé. Et à mon avis, c'est un peu l'idée. Voilà, la terreur se déploie de plus en plus. La peur. La peur. Attendez, il y a quoi là ? Ah d'accord, c'est juste ces trucs là. Lui, il est au max, lui, il faut quoi ? Des cœurs, il y en a assez, et lui, il lui faut... Ça, il y en a assez aussi. Mais on va quand même faire l'extraction supplémentaire. Alors ça, il faut quoi? La terre... Je dois refaire ça avec lui. Il m'en faut 5. Et je les ai bientôt. Alors, break. Pas de bonus, d'accord, ok, c'est vrai. Là, ça commence à être un peu plus vicieux pour les. Les pitons sont ses points favoris. Un de mes amis flics m'a dit que c'était toujours le même conducteur. Ce mec est pas bien dans sa tête. Tu m'étonnes. Yes. C'est tellement excellent. Ils ont mis du sans fil, des transmetteurs sans fil de tout type de système électronique. Même la machine à laver en a une. Alors ça c'est original parce qu'il y a un truc qui me fait rire. J'aime pas justement le tout connecté dans les maisons, donc les frigidaires et compagnie. Je déteste ça. Ça, c'est un truc, je suis pas complotiste ou quoi que ce soit, c'est juste que c'est un truc, ça me fait froid dans le dos, parce que je me dis, mais... C'est la fin de la vie privée, quoi.
Arrêtez, arrêtez les gars. Et c'est un frigo. Un putain de frigo n'a pas besoin d'être connecté. Pourquoi connecter un frigo? C'est une armoire à froid. Vous l'ouvrez, vous prenez ce que vous voulez dedans. Faites pas chier. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, on a atteint des délires, en fait, dans le monde qui me... Ça me fait flipper. C'est bien débile. Ponte Vecchio. Ah, une key card aléatoire. Gardez un œil sur votre flamme. Au plus elle va grandir, au plus elle va consommer. Mais pas de... Ouais, mais j'ai assez de carburant. Moderate animal support. Comment je fais? C'est là le problème en fait. Et j'ai plus de légende, hein. J'ai plus rien. Donc là ça va être... C'est quoi ça? Je sais pas si... Attendez, ceci. Jackpot. Hop. Infiltré. Gaspide. Ok. La bête à 4 euros. L'accident de piéton augmente dans la région et personne n'arrive à donner de bonnes explications. En tant que peur, je suis fâché, enfin je suis furieux et effrayé. Comment je fais du coup pour diminuer encore plus le truc là? Parce que je vois pas de jauge qui me dise ouais, c'est en train de descendre. Ah, voilà. Une nouvelle peste. Tout est prêt, madame Amande. Mademoiselle Amande. L'œil, il y a vraiment quelque chose hein, avec l'œil. Il remet le miracle. Sale garce. Ah bah c'est cool. Et du coup, je reçois combien de timer de plus en plus? Ouais, pas énorme. C'est déjà pas mal, 60 jours. Hein. Bon travail, Jen, vous avez créé le virus SHV1. Un des virus les plus terrifiants de l'histoire. Il garantit une souffrance... Enfin, une mort douloureuse. Horrible. Pleine de souffrance. C'est une honte que ce ne soit pas très contagieux entre les humains. Mais le monde n'a pas besoin de savoir ça. Et la meilleure part, c'est que vous détenez le seul vaccin. Farm of Farm va devenir une mine d'or. Les investisseurs doivent être très heureux avec votre travail. Mine d'or, investisseur, vous savez que je n'ai jamais rien... J'aurais rien à foutre de tout ça. J'ai un souhait bien différent. Et je peux presque le goûter. Alors, continue. Ah, tout doux, Jen. Pourquoi vous dépêchez? Vous savez ce qui arrive maintenant, non? Mais votre indécoration stupide. Allez-y. Voyons, oh, regardez votre laboratoire italien. C'est difficile de dire si ça fait pas partie d'une boucherie clandestine. Quand vous réussi à garder secret le principe de vos recherches. On a acheté quelques coopérations, une fois qu'on a eu les permissions d'expérimenter sur les animaux malades, il n'y avait plus de questions. Je vois, tout le monde a un prix, n'est-ce pas, Jen? Vous devez juste savoir découvrir combien de zéros ça demande. Exactement. Cette loi est aussi scientifique que la loi de la gravité. Et nous avons la cave au trésor. Donc
un stockage gigantesque équipé avec un scanner d'iris. Et tous les vaccins à l'intérieur, uniquement pour vos yeux. Exactement, et bientôt j'aurai les yeux de la planète entière fixés sur moi, je peux vous assurer. Triste, solitaire, petite Jenna va finalement recevoir toute l'attention qu'elle mérite, mais attention. Vous ne voulez pas être aveuglé, finir aveuglé par Limelight, je sais pas ce que c'est, par la lumière. Oh Seigneur, vous pouvez laisser tomber ces sarcasmes. Bien sûr, Jen, à votre souhait. On a tout ce qu'il faut pour continuer. Voyons, corruption et secret. Deux ingrédients intéressants. Lequel va être le mieux? Oh! Corruption! 10 par 2, c'est bien ça. Maintenant, allons-y avec l'histoire. Des mois plus tard, minéraux de bleu que la somme de Nubi. Donc, il y a une nouvelle maladie qui a commencé à apparaître à travers le monde. Et la panique a commencé à démarrer comme un feu. Enfin, comme un départ de feu. Qui pourrait nous sauver de cette peste universelle? Oh, la garce. Elle a commencé à faire s'écrouler le monde. Ouf. Oh! Ouais, je suis à travers toute l'Europe, du coup, je suppose. Donc, vaccin. Ouah, ça a l'air compliqué, là. Ça va être coton. Mais bon, ce sera pour la prochaine fois, voilà. Ben, écoutez, prochain épisode, ce sera le dernier. Ou peut-être pas, mais en tout cas le dernier avec avec Jen Hammond, je verrai si je ferai les autres plus tard, hein. Je suis pas obligé de faire le jeu d'une traite. Mais je pense que du coup on aura vu pratiquement tout ce qui se passe. C'est... Les mécaniques sont riches, la difficulté... Alors je joue en normal hein, bien sûr, mais j'ai vu certains dire que ouais, le jeu est quand même pas si facile que ça. Ça va. Enfin je trouve que ça va, c'est pas... En fait c'est pas un jeu qui est facile, il est pas non plus... trop prise de tête. Il y a beaucoup de mécaniques et je trouve ça assez amusant. Maintenant, je suis curieux de voir quelles sont les autres légendes, hein, parce qu'il y en a un paquet. Bah écoutez, allez, c'est là-dessus qu'on se quitte. Voilà, j'espère que l'épisode vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao.